L'objectif des travaux qui ont été réalisés il y a un an déjà était précisément de favoriser l'expression de la biodiversité sur le site Pierre Constant, mais aussi et surtout de renforcer le fonctionnement général de la zone de quiétude. Pour augmenter le potentiel d'accueil des oiseaux, des plans d'eau ont été recréés, creusés, d'autres ont été reconfigurés par terrassement et enfin d'autres ont été carrément effacés, supprimés pour recréer des zones de vasières et des zones de transition écologique. Il y a eu un gros travail de réaliser également sur le cheminement du public qui a été matérialisé par la construction et la pose de trois passerelles qui va permettre de créer là aussi des zones sans dérangement pour les oiseaux et de donner un certain confort de parcours pour les visiteurs. Il nous faut maintenant suivre l'évolution des milieux qui ont été remaniés. Nous allons devoir essayer de comprendre la succession des habitats naturels qui vont s'installer pour adapter au mieux la gestion sur le moyen long terme afin d'optimiser la richesse biologique du site. Les aires protégées dont fait partie le site Pierre Constant, c'est le cœur de nature et de patrimoine naturel de la Brière. Avec ces travaux, nos partenaires et nous-mêmes, nous souhaitions recréer les conditions pour que la faune et la flore puissent bénéficier pleinement de cette zone de quiétude et de biodiversité, notamment les oiseaux d'eau. Ces espaces sont aussi des laboratoires pour expérimenter des actes de gestion, de conservation, de préservation de notre patrimoine biologique et le diffuser sur l'ensemble du territoire briéron. Nous souhaitions aussi conserver la démarche pédagogique souhaitée par les créateurs du site. Et le résultat est là, la réserve Pierre Constant, c'est un lieu exceptionnel de connexion à la nature et de préservation de la vie sauvage.